Bonjour tout le monde. Alors je vous propose une petite balade dans un nouvel endroit, dans un sous-bois tranquille. Je vous laisserai regarder souvent. Je parlerai peu de temps en temps. Il y a des choses dont j'aimerais parler un petit peu, alors je ne sais pas si je vais le faire maintenant, c'est-à-dire au cours de cette vidéo, ou si je vais attendre une autre fois. Ça va dépendre un peu des circonstances, enfin de plein de choses, quoi. Là, il y a deux pêcheurs là-bas au loin, je ne sais pas si vous les voyez. Là, comme vous pouvez le voir, le temps est gris là aujourd'hui. C'est très doux, très très doux. Il y a une petite pluie très très fine, mais vraiment très extrêmement légère, qui tombe. Là, il faut regarder où je mets les pieds parce que il y a de la boue par endroits. Là encore, c'était pas trop prévu cette vidéo, c'était. Je suis allé faire quelques courses. Et en revenant, je me suis dit, tiens, il y a un endroit qui est sympa par là, je vais m'y arrêter. Et puis ben, je vous emmène avec moi. Un peu, vous savez, comme le titre de la chanson de Michel Fugain. C'est pas tout jeune tout ça. Viens, je t'emmène. Je pense que vous devez vous en rappeler, au moins ceux qui sont dans mes âges. Les jeunes, peut-être pas. Là, quand j'étais dans la voiture tout à l'heure, avant de m'arrêter ici, il y avait une émission sur une radio. Et il parlait de pareil, cette chanson-là. Il faut avoir déjà un certain âge pour s'en souvenir. Je suis obligé de faire attention là parce qu'il y a des mares d'eau, de ne pas mettre les pieds dedans. Et donc il parlait d'une chanson d'Henri Salvador. Je ne sais pas si vous en souvenez. C'est une berceuse, elle était vraiment superbe cette chanson. Et c'était. Une chanson douce que me chantait ma maman. En suçant mon pouce, j'écoutais en m'endormant. Cette chanson douce, je veux la chanter pour toi. Pour toi, ô ma douce. Et voilà, je ne me rappelle pas de la suite des paroles. Peut-être l'apprendre, parce que c'est vrai que c'est une jolie chanson et que je pourrais peut-être chanter à mon petit-fils quand j'irai le voir au printemps. J'espère bien y aller au printemps. Et comme c'est pas à côté, ben voilà, il faut attendre un peu. Je chanterai ça. Je disais, c'est pas. C'est plus, vous voyez ce que je vous propose, là, c'est une balade en fait. Une balade dans un sous-bois, tranquille.
On se prend pas la tête. On fait pas d'effet, on fait rien. On laisse notre imagination, nos pensées divaguer comme ça. Bien. Et en faisant cette vidéo, je fais que quelques coupures par moment de façon à laisser des pauses. En faisant cette vidéo, il me vient à l'esprit un petit sujet que je pourrais aborder comme ça, par rapport à ma chaîne YouTube et par rapport, vous le savez, puisque pour ceux qui suivent la chaîne, j'avais fait une petite vidéo au sujet de la pub et tout ça. Et donc voilà, bon après c'est pas grave, hein, y a pas de. Et c'est ce que je voulais dire, c'est que quand j'ai ouvert cette chaîne, d'ailleurs si vous allez dans l'avant-propos, là, je sais plus comment ça se. C'est sur la page de la chaîne, on voit à propos de cette chaîne ou quelque chose comme ça, donc il y a le détail de la chaîne, c'est-à-dire pourquoi, enfin voilà. Tout le monde peut y aller dessus d'ailleurs, sur cette page-là, c'est pas compliqué. Et quand j'ai ouvert cette chaîne, en fait, honnêtement, je savais même pas comment ça marchait tout ça. J'avais aucune idée. Parce que l'internet et moi, ouais, on n'est pas des grands copains, quoi. Et du coup, ben, j'apprends sur le tas. Et quand j'ai ouvert cette chaîne, bien, je voulais pas, comment dire, il n'y avait pas d'arrière-pensée, c'est-à-dire de me dire, comme on sait que certains le font, mais après chacun voit midi à sa porte, comme on dit, eh bien, je voulais pas qu'on se dise que je faisais ça pour le fric, voilà, pour l'argent, tout ça. Et ce qui est vraiment, ce qui est vrai d'ailleurs, c'est pas pour l'argent du tout. Et puis les choses ont fait que, eh bien, j'évolue, j'évolue. Alors, je dis pas que j'ai envie de me faire de l'argent, hein, c'est pas ça que je veux dire. Mais je me rends compte que, eh bien, moi qui suis anti-pub, ben, je me rends compte que maintenant il y a de la pub sur pas mal de mes vidéos. Ah oui, parce qu'en fait YouTube met de la pub et puis voilà. Et donc comme je dis, ben j'en retire pas un centime, bien entendu, mais absolument pas. Parce que il faut pour avoir déjà pour commencer à avoir un petit peu d'argent avec YouTube, à partir du moment où ils mettent de la pub sur les vidéos, mais il faut 1000 abonnés déjà. Alors si vous allez sur mon compte, vous allez bien voir, je suis loin des 1000 abonnés, je dois être à 200, 277, je crois, abonnés. Donc j'en suis très très loin. Deuxième clause, après les 1000 abonnés, il faut 4000 heures de visionnage. C'est-à-dire qu'il faut que 4000 heures de temps passé que des gens ont regardé mes vidéos. Je dois être, quand je regarde dans les trucs où on peut accéder, quand on a une chaîne, je dois être à 400 heures à peu près. Alors donc, je ne me fais pas d'illusions, je me tracasse pas en me disant bah ouais, je vais bientôt gagner de l'argent, pas du tout, parce qu'en plus, à l'âge que j'ai, je ne me vois pas voilà, avoir 1000 abonnés, 4000 heures de visionnage. Et puis après, je crois qu'il y a d'autres conditions. Il ne faut pas avoir eu de problème avec YouTube. Il ne faut pas avoir fait des trucs qui sont en dehors des règles. Bon, là, de ce côté-là, je suis clean, il n'y a pas de problème. Mais là où je veux en venir maintenant, c'est que ben, je me dis, au cas où, je me dis que si jamais ça pouvait se faire, après tout, ben, pub pour pub. De toute façon, actuellement, ils mettent de la pub sur mes vidéos. Ça ne me rapporte rien. Donc, pub pour pub, bah, si ça pouvait me rapporter, bah, je dis, bah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Bien que ce n'était pas l'idée dès le départ. Pourquoi pas? Ça ne fera pas de mal à la retraite que j'ai, parce que, comme tout le monde le sait, les retraites, elles ne sont quand même pas énormes. Donc, pourquoi pas? Et puis la raison principale en fait de l'ouverture de la chaîne, donc ça je ne l'ai pas dit, en fait c'est que je voulais sortir un peu de mon isolement, on va dire. J'avais, oui, je le dis ouvertement, j'avais
sentiment d'une certaine solitude à la suite de déconvenues, on va dire, amoureuses, oui. Donc voilà, et c'est vrai que se retrouver seul, enfin, je me suis retrouvé seul, la première fois, je me suis retrouvé seul quand ma femme m'a quitté. J'avais quel âge? Donc j'avais 40, je ne me rappelle plus trop, on va dire 45, entre 45 et 50 ans, à peu près, hein. Donc voilà, donc j'ai revécu, j'ai rencontré quelqu'un avec qui j'ai vécu 13 ans, et donc je me suis retrouvé seul à nouveau en 2018. Ouais, je me rappelle toujours, c'est le 27 septembre 2018. Donc et depuis 2018, bon ben voilà, il y avait cette espèce de sentiment de solitude qui a fait que je me suis dit, ben tiens, je vais ouvrir la chaîne. Donc c'était surtout pour ça. Ça me donne un but. Vous voyez, quand je pars me balader comme ça, je suis toujours un peu à la recherche d'un joli coin. Et donc déjà au départ, vous voyez, je vais faire des courses comme tout à l'heure. Eh bien, je me dis, oh bah tiens, si je trouve un beau coin, bah, je m'arrêterai. Et puis je pourrais peut-être faire un petit film. Et donc, le but de la création de cette chaîne, bah, c'était surtout ça. C'était casser une certaine solitude, me donner un but. Et puis peut-être, parce que vraiment, j'ai pas la prétention d'apprendre à qui que ce soit à faire du jardin, à faire des bocaux, à faire de la confiture, à faire du pain, des choses que je fais bien sûr dans ma vie de tous les jours, mais il y a tellement de chaînes sur YouTube, il y a tellement de chaînes sur YouTube qui le font mieux que moi, qui expliquent mieux que moi comment faire du pain, qui expliquent mieux que moi comment faire de la confiture, enfin tout ça, ou les bocaux. Alors moi je sais faire tout ça, je le fais, mais je ne sais pas si je saurais bien l'expliquer, si je saurais bien le montrer. Donc, je ne veux pas m'engager là-dedans. Je n'ai pas envie de m'engager là-dedans, de dire que je suis là pour vous apprendre à faire des choses et ne pas être capable de bien l'expliquer. Donc, c'est comme c'est marqué dans l'avant-propos de la chaîne, c'est plus, eh bien, du partage de moments, de partage de moments de vie. Partage d'images, vous voyez, comme là, aujourd'hui, avec cette balade dans ce sous-bois. Et puis voilà, peut-être que c'est un peu égoïste de ma part. Ben oui, je rompre avec une certaine solitude, avoir un but. Et puis d'apprendre en même temps, parce que j'apprends plein de choses avec le téléphone et puis Internet, des choses que je ne savais pas il y a encore 6 mois, puisque l'activité de ma chaîne, elle date du mois de juillet 2023. Donc, j'apprends plein de choses, je fais des erreurs certainement, j'en ferai encore. Mais voilà, c'est en faisant qu'on apprend, c'est ce qu'on dit. On va continuer notre petite balade. Je viens de parler avec deux pêcheurs, ben les deux qu'on voyait tout à l'heure en début de vidéo. Je suis descendu en bas pour les voir. On voit que c'était une ancienne carrière parce que on voit bien la roche. La roche est vraiment belle couleur, vraiment superbe. Bien, je vais terminer avec mon histoire pour la chaîne YouTube. Donc voilà, je voulais dire que le but de la chaîne n'était pas comment dire, financier ou quoi que ce soit, que c'est plus pour le contact, pour l'échange, parce que par les commentaires il y a un certain échange quand même. Et donc ça coupe ce phénomène d'isolement, justement.
Bien, je vois ma petite voiture bleue qui m'attend là-bas. Ça va, personne ne me l'a piqué. Elle a 20 ans. Hein. Je sais pas qui c'est qui me la volerait. C'est pas une Mercedes, c'est une Rolls-Royce. Ok. Eh bien, les enfants, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter un bel après-midi. Et eh bien, si ça vous plaît, tout ça, si vous avez envie de vous abonner, ben n'hésitez pas quand même. Parce que plus on est de fous, plus on s'amuse, comme on dit. Vous voulez aussi laisser un commentaire ou liker au passage. Et vu un peu, j'apprends. Hein. 72 balais, le bonhomme. Hein, et puis, il parle comme un Jones. Ah, je rigole un peu parce que le temps est tellement triste que... Faut mûrir un petit peu. Bon après-midi à vous, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.